de l'Éternel nous éprouve et nous sonde. Il nous teste. Avec le Dieu de paradoxe. Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui que... Alors, bienvenue sur Bill Desert TV, votre chaîne YouTube qui ne cesse de vous procurer des bonnes choses. Bill Desert TV, bienvenue sur votre émission Jeunes Talents. Donc, pour que nous puissions essayer un peu de découvrir ce que Dieu a mis dans le cœur de ces artistes, ces pasteurs qui ne manquent pas d'être proches de nous pour essayer de nous édifier par les talents ou dons que le Seigneur les a accordés par la grâce. J'ai reçu encore donc ici ce soir un homme très fort donc parmi la jeunesse qui essaie de faire la fierté de ce message du temps de la fin, bien sûr, ici du côté de Brazzaville au Congo ici. Nous sommes ravis d'être à côté de Meshach Mahungu. Lui, c'est le frère Meshach Mahungu, le dieu de paradoxe. D'autres lui appellent que la foi ne change pas de direction. Pourquoi? Nous allons découvrir à très bientôt. Et c'est quoi réellement c'est quoi le but de cette rencontre avec Meshach Mahungu? Frère Meshach, que le Seigneur te bénisse. Et vous bénisse aussi, pasteur. Ah, je suis très fier de toi parce que tu as fait un grand travail avant même que nous puissions un peu avancer. Tu as été une bénédiction pour le pouce partout dans le monde. Tes chansons ont touché l'international. Je suis allé dans pas mal de pays voisins, donc du Congo ici. J'ai écouté tes chansons qui a vraiment béni les enfants de Dieu. D'ailleurs, j'ai reçu certaines inspirations, des cantiques par tes chansons à toi. Donc, je t'appelle ancien parce que tu as commencé ces choses avant moi. Tu es allé en studio avant moi. Il faut que Kotiaka, même si Ozana gaz, ce qui n'est Ozana succès, mais Bayaka Libosona yo, Kobosa na Kotiaka, on a Sika na Bangote. Donc, il faut qu'on peut avoir du succès, mais quand il est devant Kassongo, je sens le respect. Vous comprenez? Et ça, c'est bon. Donc, dans le message, et là, on se dit qu'on a l'aliment, on a ordre. Alors, Meshach Mahungu, tu es artiste congolais. Bon, moi, je veux que les bien-aimés découvrent en profondeur. Est-ce que, parce que nous avons des fuites, il y a des gens qui disent que Meshach est quinois. Bien, il n'y a pas de problème. Nous allons dire, on va poser la question à Meshach afin que Meshach nous dise si réellement il est congolais de Brazzaville ou quinois. Frère Meshach, à vous. Merci, pasteur B. Désert, pour m'avoir accordé la parole. Merci. Je suis d'origine congolais du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Vous devez quoi votre frère sur parole. Bon, avant que nous ne puissions avancer avec notre courte émission que nous allons avoir ici, frère Meshach, tu vas nous donner la chanson Le Dieu de paradoxe. Donc, au Meka, au Beta Yango, pour que Oyo Bayo Kango, Basepela. Pour que vienne à Piro Gomat. Parce que Piro Gomat m'a dit, en tout cas, dès que Meshach est là, fais-moi signe parce que je l'aime trop. Le vieux Arthur Mosaka m'a parlé de toi et dit, vraiment, je vais suivre là parce que je les ai dit qu'il sera avec moi et d'ici donc deux jours, vous allez avoir l'image sur Bill Desert TV. Donc, je pense que tu es le bienvenu dans cette émission qui reçoit les artistes et les pasteurs. Ça, c'est pour vous. C'est quelque chose que j'ai fait pour vous, spécialement les artistes et les jeunes pasteurs. Frère Meshach, avec le Dieu de paradoxe. Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut résoudre? Il n'est pas limité, yes. Il est tout suffisant. Ne vous en faites pas, avec lui tout est possible. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Alléluia. Aucun cas n'est difficile. Oh, là où les diables s'arrêtent, c'est là qu'il commence. Oh, aucun cas n'est difficile pour lui.
sa tête. C'est là qu'il commence. Gloire à Dieu. Alléluia. Aucun cas n'est difficile pour lui. Oh, là où la famille s'arrête, c'est là qu'il commence. Oh, aucun cas n'est difficile pour lui. Oh, là où les savants s'arrêtent. Quand une femme atteint la ménopause, vraiment, elle ne peut plus concevoir ni mettre au monde. Cependant, dans la vieillesse, Sarah y enfantait un fils à 90 ans. Que dirions-nous de ceci? Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Notre Dieu. S'arrête, c'est là qu'il commence. Alléluia. Aucun cas n'est difficile pour lui. Oh, là où les génies s'arrêtent. Alléluia. C'est là qu'il commence. Oh, aucun cas n'est difficile pour lui. Non. Kata. Parce que, bah, nous sommes bête à ma VCAWA. Elle est forcée. C'est une chanson salée, hein? Une chanson pleine de vitamines. Les enfants de Dieu réagissent déjà. Je suis en train de voir déjà des réactions parce que je peux déjà sentir ça. Une forte présence du Saint-Esprit. Frère Meshak Mahungu, nous allons chuter avec que la foi ne change pas de direction pour moi dès que nous allons terminer. Mais nous allons d'abord essayer de parler un tout petit peu sur le sujet du jour. Frère Meshak va se marier. Nous avons vu des publications sur Facebook, WhatsApp et tout. Et beaucoup de gens partageaient tes photos. J'ai dit non, mais je ne peux pas laisser Meshak comme ça. Meshak doit arriver pour que quand même, Alexé n'a jeune talent. Bananzambe, Bayokaye en live. Meshak, je voudrais d'abord te dire une chose. C'est le temps de considérer nos talents. Nous sommes des Congolais. Hein? Du côté de Brazzaville, ici, il y a des vrais talents. Et quelquefois, nous sommes complexés par les autres. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un pays ou un peuple qui puisse être plus fort ou plus talentueux que ceux de Brazzaville. Nous sommes tous égaux parce que nous sommes fils d'un seul père. Et de la même manière que les frères de Brazzaville bénissent l'épouse, ceux de Kinshasa aussi bénissent l'épouse, ceux du Gabon, du Tchad, de partout du Cameroun bénissent aussi l'épouse. Alors, frère Meshak Mahungu, tu vas te marier. Je voudrais d'abord savoir le nom de la sœur. Quel est le nom de la sœur que le frère Meshak a choisi à Nzambe? Merci, pasteur. Le nom de la sœur, elle s'appelle la sœur Luemba Flor Fallon. Ah, Luemba Flor Fallon. Je voudrais déjà signaler ici à l'opinion que donc je suis en train de produire une chanson déjà pour Meshak. Donc il est en train de chanter, il a déjà posé ses voix au studio, donc il a chanté à l'honneur de son mariage. Vous allez certainement aussi avoir la vidéo plus le son. Donc continuez à nous suivre. Je pense que dans 2 ou 3 semaines, vous allez avoir cette œuvre-là déjà prête et vous allez déjà commencer à consommer cela dans vos maisons. Le frère Meshak Mahungu va se marier. Frère Meshak, alors, Nalingi to beta li solo ya l'art. Hein? To beta li solo ya l'art parce que, au moins, toi, tu ne m'as rien dit, nga naza inspiré. Vous comprenez? Je suis révélé. Yo, osa chante ya Brazzaville. Au komiko bala. Je crois que c'est le moment où les pasteurs de Brazzaville doivent maintenant agir.
c'est le moment où biso ba oyo d'abord pour moi yemo ko zo mona déjà à part ba vidéo ba ni na produire ba nzembo l'art pe na zo pesa yemo ko mes chers connaît déjà le montant c'est ça donc yo pe aux musiciens aux pasteurs frère mes chers yoyo à bénir biso ça nous le savons mes chers a fait un travail LBTL ne va pas dire que le contraire toutes ces églises ici la pierre de fête et tout consort ils ne diront pas le contraire si vraiment nous avons aimé Meshach. Hein? Si vraiment Meshach a été une bénédiction pour nous, je pense qu'il faut qu'il y ait, comme on dit, quand l'amour se lance, hein? Je crois que la grâce aussi et la profondeur doit tirer la profondeur. Donc, Meshach va se marier. Meshach Mahungu, je veux que tu fixes la caméra. Fixe un peu tes bien-aimés parce que les bien-aimés te suivent. Meshach ici, c'est pour quand le mariage déjà? Le mariage, c'est dans un futur proche. Un futur proche. Bon, surtout que tu es juriste, tu as des mots déjà calés là. Que Dieu te bénisse. Courage à toi, parce que ça fait du bien. Bisobot, tu as dit, mais tu as dit, pamboli. Vous comprenez? Tu as dit, tu as un journaliste à la manière de Saint-Pierre qui ne savait pas écrire son nom. Il était utile pour les enfants de Dieu. Bill de Zébi Kourouche. Alors, Meshach Mahungu, si quelqu'un veut soutenir ce mariage-là, peut-être que. Déjà, le message est déjà véhiculé là. Les enfants de Dieu vont réagir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour te joindre afin de soutenir ton mariage? S'ils veulent bien me joindre, oui. Qu'il n'a qu'à me contacter par le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Est-ce que c'est un moment aussi? Bon, il y a le moment, mais je préfère le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Oui. Ok, donc la personne peut directement te contacter pour essayer de donner sa contribution. Mais chaque, je mérite de dire ceci. En réalité, nous n'allons pas attendre que l'autre puisse. Grâce mon tombeau, que Dieu le bénisse, je te salue mon ami. Grâce mon tombeau me dit, désert, nalingio. Je t'appelle déjà pendant que tu vis. Grâce mon tombeau, tu as des surprises ici. Katsaraka, Kinshasa, Yaka, Brazzaville, Neokumona. Parce que c'est ça. Vous comprenez? Nous voulons jeter les fleurs à l'autre alors qu'il vit. Donc, yo, Zanabon Moï, c'est maintenant que moi je dois dire que mes chers nalingio. Donc Meshach Mahungu, tu vas te marier. Alors donne le numéro de téléphone pour que déjà les bien-aimés retiennent déjà qu'ils prennent le numéro et que les bien-aimés te contactent déjà au téléphone. Bon, je réponds au numéro. C'est le plus 242 06 935 37 56. Waouh. Vous pouvez répéter, frère Meshach? C'est le. Je réponds au plus 242 06 935 37 56. Merci. Alors, maintenant, libre à vous. Soyez libre, dites un mot au bien-aimé. Meshach, je veux que tu dises un mot par rapport aux réalités. Que tu es en train de vivre. Par rapport aux difficultés que certainement ton talent est en train de connaître et ce que tu voudras bien que le Seigneur fasse pour toi et que les hommes qui t'aiment et les hommes qui te croient fassent pour toi si possible. À toi la parole, mon cher ami, c'est parti. Et merci pour la parole. Bon, je voudrais tout d'abord dire ceci. Par une citation du prophète. Merci. Frère Branham dit que ce qu'un homme pense de vous, il exprime par ses actes. Merci. Oui, c'est vrai que nous pouvons dire que Frère Meshach, nous t'aimons, je suis peut-être un héros dans l'ombre, je te soutiens par les prières. Mais mon frère, ma soeur, le frère Meshach qui ira se marier, mais on n'aura pas besoin de la citation là-bas ou d'un verset. Alléluia. On aura besoin d'argent. L'Ikona. Oh, c'est super. Oui. C'est super. Oui. Ce ne seront pas des versets. Oui. Apporte l'argent que tu as. Merci. Dieu t'a beaucoup béni. Merci. Tu achètes des prades, mais viens soutenir l'œuvre. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas à faire de théorie. Au frère, je te soutiens après. Donc je, ça nous connaissons. Merci. Mais actuellement nous sommes maintenant au chapitre des finances. Merci. Apporte l'argent, frère. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Le peu que tu apportes, même si c'est 10 000 francs, apporte. Oui. Même si c'est 2 000, apporte. Oui. Par rapport à la manière dont Dieu t'a béni. Amen.
Mais si tu as beaucoup d'argent, ce que tu viens de donner d'une manière. Si tu viens me donner une somme maudite, frère, tu as aussi ta récompense, comme l'a dit. Yes. Donc c'est un peu ça. Aza, laissez-moi un peu m'éclater de rire. Parce que rire, Ezong Saka. Motomwa sima, hein, parce que vieillesse, ils ont kangabat mikolo mwente. Donc, on sait qu'ils ont rajeuni un biso. Tikato, c'est comme moi. Mais y'a mes chants, pambola yo, na sepeli mingi. Je suis Maman Fallon, que Dieu te bénisse. Hein? Et la 13e côte de Papa Meshak. Que Dieu te bénisse richement. Les paroles que j'ai écoutées dans cette chanson-là, c'est grave. Hein, donc, je vous signale déjà que le frère Meshak est en train de chanter à l'honneur de son mariage. Il a annexé la pensée avec les cantiques des cantiques, donc c'est grave. Et la chanson est très cool. Alors, frère Meshak, un mot de la fin. Si tu as des gens à saluer, hein, je t'accorde la parole. Salue au moins même 3 ou 4 personnes, je pense que ça fera du bien. Je salue plus précisément le frère Jérémy Vaz. Merci. Qui se trouve là-bas à Kinshasa. Je salue aussi le pasteur Bonheur. Je salue aussi le pasteur Alban Samba. Amen. Qui est mon pasteur ici. Amen. À Brazzaville, là où je connais le Bété Tabernacle. Amen. Et je salue aussi le pasteur Mwangu Makele Christophe. Qui se trouve là-bas à Bouansa. Et particulièrement aussi ma maman Lembe Florine, Rebecca Parfaite, Maungu Gershon, Maungu Honor Élysée, Maungu Mardouché. Donc c'est un peu ça. Mais tu n'as pas salué Bill Désert, désolé. Je devrais. Non, mais Meshak, c'est bon. Non. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, je veux me sentir aimé, mon cher. C'est maintenant de nous aimer, entre nous. Bon, alors, les amis, c'était le frère Meshak Maungu sur Jeune Talent, toujours. C'était des paroles bénies et je pense que ça nous a fait du bien. Je salue l'assistance parce que nous avons une dizaine de personnes ici qui nous ont assistés ce soir. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Et je pense que c'est même plus de 10 peut-être. Donc, nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Continuez à nous suivre sur Beat Desert TV, votre chaîne qui... vous apporte les choses, hein, donc au temps réel, vous apporte de l'actualité. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir donc prochainement dans un prochain numéro avec frère Meshak Maungu, qui nous a fait du bien. Alors nous allons lui laisser maintenant le temps de nous donner un peu que la foi ne change pas de direction pour nous. Et c'est là que nous allons alors nous séparer avec mon invité de ce soir, Meshak Maungu. Tantôt l'Éternel nous éprouve et nous sonde. Il nous teste avec sa balance de l'Évangile. Si réellement la foi est ancrée dans nos âmes, il permet parfois certaines situations auxquelles souvent nos vies sont si balotées. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Alléluia. Quand on accepte ce glorieux message, à ses débuts, il paraît très doux. Chemin faisant, il change de phase. Mais nous oublions que nous sommes en plein exode. Parallèlement au peuple d'Israël qui fit 3 marches pour la terre promise, qui pour s'emparer il fallait passer par le désert. Mais quand nous arrivions, c'est souvent des plaintes, de murmures, de lamentations. Oh Seigneur, qu'à ces moments révèle-moi que
c'est toi qui me forge pour le ciel. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Chacun de nous doit s'attendre un jour sombre dans sa vie. Mais que cela ne soit pas pour nous un malheur. Garde dans sa position comme notre frère Job, qui pouvait glorifier son Dieu dans la tourmente. La maladie, la pauvreté, et même proclamer que son rédempteur est vivant. Car la foi est un homme costaud avec des muscles, qui ne connaît pas d'obstacles possibles. Peu importe la réalité, elle est égale à persévérance, à patience, à fidélité, ou encore à amour. Continuons à croire à 100% ce message, jusqu'à la fin, alléluia, jusqu'à la fin, oh, du voyage. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi, alléluia, ne change pas de direction pour moi. Que la foi, oh my, oh my, ne change pas de direction pour moi. Oh, que la foi ne change pas de direction pour moi. Frères et chers, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vraiment, merci, merci, merci. Amen. Un petit moment de communion parfait, mm-hmm, qui nous a fait du bien. Amen. Vraiment, je te jette les fleurs. Merci. Tu es très humble, très calme. Bisous, tu es un courageux, même si tu es un peu courageux. Mon tenu est à la place. Je suis un peu boué. Mes chers Kazakhanais, donc Talagaka, mais bisounon sotoza ban tata un manco. Que Dieu soit béni. Bien aimé, merci dans vos maisons, vous qui nous avez suivis, vous qui avez été avec nous pendant ce petit moment de communion, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes au temps de l'union. Les jeunes ont compris qu'on doit s'entendre. Nous n'entendrons plus des histoires dans le message où un tel, baso yo kanate, ba chantre, ba nini, ba pasteur, un. Biloko wana, eko ti kasu kosa le maté. Biso ba jen te comprendre que c'est le temps de l'union. Ba mpakape place bazali, ba ye ba ke, eza système komika yango wana. Nenge papa la falobi, na lingi yo nanko. Ata obo inga, ngay, na lingi yo nanko. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, bien des choses à vous. Shalom dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.